Après quelques minutes de descente, nous découvrons l'épave. Elle est impressionnante. C'est celle du Roraima. Ce cargo à vapeur a coulé dans la rade de Saint-Pierre, en Martinique. Il n'a pas été le seul. Plus d'une quarantaine de navires ont été anéantis lors de l'éruption de la montagne Pelée. C'était en 1902. Bateau du cinéma avec des coursives, avec des hublots, avec voilà, c'est vraiment l'épave de rêve, quoi, ce que je souhaite à tous les plongeurs du monde.